libro pone modi e disuitaci in Livia in un pianacinice particolarmente un luogo magnifico in cui si trovano due attività sportive o tenisico tese Alta Rocca e poi o balocco a svar a squadra valinco Alta Rocca Zartinese. Allez, je m'applique. Oui, vous êtes. Bravo. Jean-Luc, bonjour. Jean-Philippe, salut. Alors, ce club de l'Alta Rocca, ça fait un peu plus de 20 ans que vous en occupez. 24. 24, précisément. La passion, elle est toujours là. Passion, je ne sais pas, mais le désir de faire du bénévolat, oui. Et de m'occuper de tous ces petits-enfants depuis toutes ces années. Et c'est important pour vous de maintenir cette activité. On sait, bon, le contexte est un peu particulier. Mais l'hiver, dans l'Alta Rocca en montagne, c'est presque un enjeu de service public. Alors, c'est vraiment un enjeu de service public, mais ce qu'il y a, c'est que c'est un travail extraordinaire, parce qu'en plus de l'hiver, donc, il ne se passe pas grand-chose, mais on est surtout sujet aux conditions climatiques. Donc, on voit aujourd'hui déjà un peu de vent. Donc, déjà, si on arrive à maintenir l'activité en hiver avec les conditions météorologiques, là, on peut dire que le défi est relevé, quoi. Là, cette année, comment vous répartissez les entraînements? C'est toute la semaine, c'est des jours particuliers, sans doute plus le mercredi et le week-end, non, comme d'habitude? Non, le week-end, on ne peut pas, parce que les enfants font tellement d'activités justement dans le rural, parce qu'on leur propose du foot, du judo, de la danse et tout, de l'équitation. Du coup, nous, on a basé nos entraînements le mercredi après-midi avec Laetitia. Moi, je m'occupe d'une partie des gamins le mercredi soir, les plus grands, avec la section dames le soir. Et le vendredi soir, c'est moi qui m'occupe des babies et de ce groupe que vous avez vu tout à l'heure. Et là, si vous voulez, vous pouvez faire une tête maintenant. Envoie-lui le ballon sous la tête. Allez. Oh, wow, voilà, pas comme ça. Voilà. T'as compris? Voilà. Allez, serré André, allez, récupérez le ballon, repartez, allez. Ici, c'est chez moi et j'aime bien, j'aime beaucoup. Et qu'est-ce que tu préfères entre le foot et le tennis? Foot. Pourquoi? Parce que le tennis, c'est un peu agaçant au bout d'un moment. Quand même, je préfère le foot. Le foot, je cours plus. Je préfère le foot. Ouais, Johan, c'est bien. Jean-Roger, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes vice-président de la SVA, vous êtes président pour la partie Alta Rocca. Quelle est l'importance pour ce club qui couvre un territoire très large, de Serradifère pratiquement jusqu'à Porto Vic, de maintenir sa activité à Cinicia? L'importance, c'est tout simple, hein, c'est les enfants, vous pouvez le voir là. Hein, c'est un mercredi d'hiver comme un autre. On a constamment une vingtaine de gamins, ça va d'à peu près de 6-7 ans jusqu'à 16 ans. Là, pour la plupart, quasiment que des enfants du territoire, de l'Alta Rocca, avec quelques enfants de Propriane qui sont montés aujourd'hui. Donc voilà, vous l'avez, l'importance de tout ça. Hein. C'est de faire vivre ce site. On a la chance d'avoir un synthétique et dernière génération, d'avoir des vestiaires là qui vont arriver. On avait 10 licenciés quand on a créé le club il y a maintenant 2 ans et demi. On a 35 cette année, dont une quinzaine de débutants. Bah, c'est super encourageant, vraiment, on a la sensation de faire les choses pour les bonnes raisons. Alors, pour le terrain de Cinic, il est relativement récent, vous l'avez dit. Là, maintenant, il a été homologué, vous allez pouvoir faire de la compétition en plus de l'entraînement, c'est encore plus important, ça, pour la SVAR? C'est ça, ça prend tout son sens. Jusqu'à présent, on devait se contenter de plateau, bon, ce qui est très intéressant, hein, parce qu'on a quand même eu 2-3 événements avec à peu près entre 800 et 1000 personnes présents ici le week-end. Et là, ça y est, la Ligue va nous homologuer le terrain à la fin des travaux, là, dans pas longtemps, pour jusqu'au niveau CFA. Pour le moment, on se contentera de la DH, de la R1, mais on ne sait jamais, ça peut nous permettre aussi de recevoir peut-être la squadre pour un match de gala ou des équipes qui viennent l'été, comme ça se faisait à l'époque. Hein, le Sporting montait, la CA pourrait monter, le Gazélec, peu importe. Nous, ce dont on a besoin, c'est d'animation. On a besoin que ça vive. Et pour ça, le sport est important et encore une fois, le foot plus particulièrement. Susi Tudicini, malgrado i travail che hanno piato un poco di tempo, doit riaccogliere d'altre attività sportive come il judo, étant de rinforza aux oro lui veramente essenziale au sport indoor rurale di l'Alta Rocca.